Good morgen, allez, Iden et Netsi soit aujourd'hui, le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Vefani, David Ben Fortuna Fritna Mazal et Dvora Bat Esther. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude du Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous irons rester avec toi, Père Gedalet, Mishnah Alef, Naharash Nit Pateta, Boshta Uvgama Ufnasa, Shel Aviha, Vatsa'ar Bitfusa, Amda Badin, Ad Shelo Meta Av, Are En Shel Av, Meta Av, Are En Shel Achin. Lui spika la mot bedin ad shemet av are en shel atzma. Amda bedin ad shelo bagra are en shel av. Met av are en shel achin. Lui spika la mot bedin ad shebagra are en shel atzma. Rabbi Shimon omer, im lo hispika li gbot ad shemet av are en shel atzma. Maase yadea umetziata av al pi shelo gavta, met av are en shel achin. On commence par traduire la première partie de la Mishnah, la première phrase, vous la connaissez. Naharash nit pateta, une jeune fille, une adolescente, qui a été séduite, donc qui a le devoir de payer le knas, comme on a expliqué. Alors, boshta, ubgama, uknasa, shalaviya, comme on l'a pris dans le pérec précédent, la honte et le bgam, le nezek, le dommage que maintenant c'est plus une betula, et le knas, en plus l'amende qu'il faut payer. Pour avoir abusé d'une jeune fille, de l'avoir séduite, parce qu'elle a porté préjudice au père, eh bien, tout ça, ça appartient chez Aviha. Ça appartient au père. Ve'atsa'ar batfusa. Et en plus de ça, comme on a expliqué aussi, tfusa, c'est celle qui a été violée de force, qui a été saisie de force, eh bien, elle a en plus de ça une douleur. La douleur, il faut aussi payer la douleur au père. Ok? Pour le moment, c'est des données très claires. Je veux maintenant. Donc, on a expliqué, il y a quatre choses à éventuellement dédommager. Il y a d'abord le knas, l'amende. À part ça, il y a le nezek, le dommage que maintenant, elle a perdu de sa valeur. Elle a un corps qui est plus entier. Elle a, à part ça, la honte sur la famille que maintenant, c'est devenu un deuxième choix comme fille. Elle a été abusée, c'est moins... Et à part ça, en plus de ça, et même la douleur si elle était violée de force. Ça fait quatre choses qu'il faut payer au père. Le sujet maintenant de notre Mishnah va être de... c'est vrai que le père, il a un droit sur sa fille, puisqu'il est en droit de la marier quand il veut. La question, elle va être de savoir, qu'est-ce qui se passe quand la fille va quitter la tutelle du père alors qu'elle n'a pas encore récupéré l'argent. Peut-être que je vais même tout vous dire à l'oral, ça ira beaucoup plus vite ensuite pour comprendre la Mishnah. Il y a deux situations en réalité. Il y a ma fille, elle m'appartient tant qu'elle a jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. C'est la mienne, c'est mon droit, je la marie avec qui je veux, j'ai des droits dessus. Passé 12 ans et demi, elle devient un boguerette, puisqu'elle a eu son développement du corps, et ça fait déjà 6 mois qu'elle était Nahara. Maintenant, elle est devenue boguerette. Elle devient maintenant elle-même la responsable d'elle-même. Elle sort de ma tutelle. Et donc, je n'ai plus tous les droits que j'avais sur elle, ça lui revient de droit. Là, maintenant, qu'on soit clair, si elle est devenue maintenant adulte et qu'elle se fait violer, il n'y aura pas de knas. Il y aura éventuellement du dommage à payer. Mais en tout cas, il n'y aura pas le fameux knas qu'on apprend maintenant depuis maintenant plus d'un pérec en arrière. Parce que la Torah l'a précisé que ce knas, que pour une adolescente, éventuellement une petite fille, qu'on a vu la marque loquette, mais pas pour une adulte. Mais là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe? Si elle était violée quand elle était adolescente, jeune fille, 12 ans, 12 ans et demi, jusqu'à 12 ans et demi, elle a été violée, mais on n'a pas encore entamé la procédure du procès et de condamner ensuite le voyou. Alors maintenant, elle est devenue boguerette. Qui est en droit de percevoir ce droit? Et peut-être que je vais devoir vous expliquer quelque chose. Lorsque ma fille m'appartient jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, donc tout ce qu'elle fait, ça me revient. Je peux la marier avec qui je veux. Même mieux que ça, la fin de la Mishnah, on va le voir, ça va être expliqué. Si toutefois elle est partie travailler, elle est encore sous ma tutelle, tout ce qu'elle gagne, ça me revient de droit. Imaginez maintenant qu'elle travaille. Elle travaille maintenant, elle a travaillé le mois dernier. Qui se lève, c'était encore, elle était sous ma tutelle. Passé maintenant, on arrive maintenant en Teret, elle est plus sous ma tutelle, ça y est, elle a grandi, elle vit d'elle-même, on n'a plus de rapport entre elles. Mais maintenant, qui va percevoir l'argent qu'elle avait travaillé lorsqu'on était le mois dernier en qui se lève, en décembre, le mois dernier? Qui va le percevoir? Là, c'est une évidence, c'est le père qui perçoit. Parce qu'on va selon le moment où, pendant qu'elle travaillait, qui était en droit de recevoir? Donc en fait, quand elle travaillait à cette période, elle était sous ma tutelle, tout ce qu'elle a travaillé, ça me revenait de droit. Donc maintenant, celui qui l'a embauché, il me doit à moi l'argent, pas à elle. Ça, c'est pour le travail qu'elle a fourni.
Maintenant, ce qu'on va s'intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe si toutefois elle a eu un dommage quand elle était jeune fille, et surtout, que le CNAS, à qui revient-il le droit? Peut-être que même, je vais préciser encore mieux, c'est plus écrit dans le Mishnah, mais je le rajoute, c'est que si toutefois elle a été, pendant qu'elle était jeune fille, elle a été humiliée, même si après elle est devenue adulte, tout ce qu'elle a subi quand elle était jeune fille, c'était mon bien, comme c'était ma voiture qui a été endommagée, cabossée. Quand elle m'appartenait, ben, il faut me rembourser à moi parce que c'est moi qui ai perdu. Ça, c'est une évidence. La question maintenant, elle est de savoir le CNAS. Parce que le CNAS, comment on expliquait, un CNAS, une amende, c'est quelque chose qu'on ne doit pas en tant qu'indemnité. C'est quelque chose que le juge, le Dayan, il tranche et il fait tomber ça comme une punition sur celui qui a commis le délit pour, tant mieux que mal, de donner ça à celui qui a subi le dommage. Mais ce n'est pas un dédommagement. Donc si ce n'est pas un dédommagement, ça va changer, c'est ce qu'on va voir. Et justement, le premier avis de la Mishnah, il va nous dire, regardez, ça se passe comme ça. Si le père, le père, en fait, en deux mots, il doit se dépêcher. Tant qu'elle n'est pas devenue adulte, il doit se dépêcher de traduire le voyou, l'agresseur, en justice, pour que maintenant le Bedin va le condamner. Et dès que le Bedin va le condamner, maintenant c'est devenu une dette envers le père. Mais si le père manque au rendez-vous, il traîne pour la réclamer, jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. Ben c'est la fille qui va réclamer, qui va percevoir ça. Idem, si le père, il est mort en route, alors c'est la fille maintenant qui va réclamer, qui va récupérer son argent. Ce ne sera pas les héritiers du père, parce que les héritiers n'héritent pas ce droit-là. Il faut savoir que les héritiers du père, ils héritent tous les biens du père, c'est vrai, mais pas les droits que le père a sur sa fille. Le grand frère n'a pas le droit, si le père il décède avant, quand la fille elle est encore jeune fille. On ne va pas dire son héritier aura le droit de la marier, parce que ces droits-là, c'est des droits que le père a, mais qu'il ne transmet pas plus à ses enfants quand il décède. Alors, selon ce principe, de nouveau, c'est ce qu'on va voir dans la Mishnah. Je le dis d'abord maintenant à l'oral très succinctement à la Mishnah. On va s'intéresser comme ça. Dans les deux situations, il y a deux cas de figure où la fille quitte la tutelle du père, soit parce qu'elle est devenue adulte, soit parce que le père il est mort. Donc, maintenant, dans ces deux situations, maintenant, c'est elle qui redevient droit, qui reprend ses propres droits. Ce qu'on lui a fait subir quand elle était jeune fille, que maintenant elle est devenue adulte, ou bien que maintenant elle est devenue orpheline, eh bien il faudra le verser à elle. Mais à condition que le père n'a pas fait son procès auparavant. Parce que si, dès que le père il a traduit maintenant l'agresseur en justice, et que l'agresseur a été condamné de payer le CNAS, alors là, si au moment où on va prononcer le verdict, et que ça va être le père qui va devenir bénéficiaire de ça, qui a le droit de le recevoir, même si après on passe 5 ans pour récupérer l'argent, lorsque l'argent arrivera, ça appartiendra au père, et si le père est décédé, ça appartiendra aux héritiers. Mais s'ils n'ont pas encore traduit, ils n'ont pas traduit en justice l'agresseur avant que la fille reprenne son droit sur elle-même, eh bien, dans ce cas-là, plus personne ne pourra réclamer ce dû, si ce n'est que la fille qui pourra le réclamer pour elle-même, et qui le récupérera et qui l'encaissera pour elle-même. D'accord? Regardez, on fait tout ça dans les mots, après il y aura une discussion avec Rabbi Shimon. Amda Bedin, elle s'est tenue devant au procès, au jugement, tant que le père n'était pas mort, c'est-à-dire son père est encore vivant, et comme la procédure le veut, à 12 ans et 1 mois, elle a été violée, à 12 ans et 2 mois, ils sont déjà au Bet Din, tant que le père il n'était pas mort, tout allait très bien, dans ce cas-là, Arehen Shel Av, ça appartient au père. Le verdict prononcé va faire que maintenant, le père est devenu bénéficiaire de cette amende à payer. Si ensuite, ensuite, une fois que le verdict a été prononcé, le père meurt, eh bien, Arehen Shalachin, ça appartiendra à ses frères de la fille. C'est pas la fille qui va reprendre ce droit-là. Par contre, Lohispika la amod bedin achemetaav, elle n'a pas eu le temps, ils n'ont pas eu l'occasion de se tenir devant le jugement, au jugement, tant jusqu'à que le père meure. C'est-à-dire qu'en fait, elle était violée à 12 ans et un jour. 12 ans et un mois, 12 ans et un mois et deux jours, le père fait une crise cardiaque, on n'a pas eu le temps de prendre l'agresseur en justice. Dans ce cas-là, Arehen Shalatzma, c'est elle qui devient bénéficiaire en droit de réclamer cette amende. C'est elle qui va traduire l'agresseur en justice, et dans ce cas-là, c'est elle qui va récupérer l'argent. Et de ce fait, Amda Bedin Hachelobagra, d'accord? Donc ça lui appartient à elle et pas au frère. Ok? Pour le moment, c'est clair? Je répète vite fait. Si le père, il a eu le temps de traduire l'agresseur en justice, c'est le père qui devient le bénéficiaire et le receveur quoi, de ce CNAS, de cette amende. Et de ce fait, si ensuite le père il meurt, c'est les enfants qui en héritent.
Par contre, si le père il appelle, tant d'être dur en justice jusqu'à qu'il meure, dans ce cas-là, c'est elle-même qui reprend son droit sur elle-même. Si elle est violée, c'est à elle qu'il faut l'indemniser. Si elle a été violée auparavant maintenant elle va réclamer en justice au violeur de payer l'amende, c'est elle qui le récupérera. D'accord? On continue, deuxième partie. Jusqu'à maintenant, on a parlé que la fille est sortie de la tutelle du père parce que le père, il est mort. Maintenant, il y a l'autre forme, c'est le même principe. C'est que quoi? Qu'elle est devenue adulte. Amda Bedin Achelo Bagra, elle s'est tenue au tribunal tant qu'elle n'était pas encore devenue adulte. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont veillé à réclamer, à traduire en justice l'agresseur avant qu'elle devienne adulte. Aréen Shel Av, c'est le père qui devient bénéficiaire de cette amende qui va encaisser l'argent. Met Av, si ensuite le père décède, et bien dans ce cas-là, Aréen Shel Achin, cet argent maintenant c'est devenu la propriété du père et c'est les enfants, c'est ces garçons qui hériteront de ce droit-là. Par contre, Lo Ispika la Mod Badin Ad Shebagra, si elle n'a pas eu le temps de se tenir au procès jusqu'à qu'elle est devenue adulte, d'accord? Ouais, parce qu'en fait, elle a été violée à 12 ans et 5 mois, jusqu'à qu'il trouve qui était le voyou et qu'il puisse la traduire en justice, c'est trop tard, elle est devenue adulte. Dans ce cas, elle a quitté la tutelle du père, dans ce cas-là, Ren Shalatzma, ça lui appartient à elle, ok? Voilà pour le premier avis de la Mishnah, comme ça, et c'est établi la halakha. Il y a Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il a une petite remarque sur ça, que il me l'explique à l'Igbot Hachemeta Av, à Ren Shalatzma. Rabbi Shimon nous dit quelque chose, qu'en réalité, non. Toi, tu m'as dit que si le père y traduit en justice, tant qu'il est encore en droit, eh bien, le verdict va faire que ça est devenu la propriété du père. Et désormais, si même si la fille va devenir adulte ou si le père va mourir, ça reste la propriété du père. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec cet axiome. Il dit quoi, Rabbi Shimon? Il nous dit non. Le droit que le père a de percevoir le knas de la fille, ouais, de percevoir lui-même, c'est que si concrètement ça lui arrive dans la main. Je me moque de l'histoire que le père a déjà eu le temps de traduire en justice. Si le père n'a pas récupéré l'argent tout de suite et que la fille est devenue adulte ou que le père il est mort, ça devient la propriété de la fille. Ça appartient à la fille et c'est tout, et pas au père. Ouais. Imlo hispika ligbotat shemetav. Si le père n'a pas eu le temps de récupérer l'argent, de se le faire rembourser, payer, eh bien, shemetav, jusqu'à que le père meure, areen shalatma, ça appartiendra à la fille, c'est fini. C'est Rabbi Shimon, il est relègue, vous avez compris sur quel relègue? Il est relègue sur l'histoire qu'on a dit que si le père a eu le temps de traduire en justice, quand c'était encore, c'est lui qui était en droit, donc ça lui appartient. Rabbi Shimon, il est relègue sur ça, il dit non, ça ne sert à rien de traduire en justice, il faut que concrètement, qu'il aille retirer l'argent et qu'il le prenne pour lui. Sinon, ça appartiendra pas, ça lui appartiendra pas, et ça repassera au droit de la fille. Autre chose, Maaseyadao Metsiata, les fruits de ses mains, c'est-à-dire ce qu'elle fait, son salaire. Si, maintenant on ne parle plus maintenant de la fille qui a été violée, on parle d'une jeune fille qui a travaillé et qui a gagné de l'argent, ou encore qui a trouvé une metzia, qui a trouvé toute une trouvaille dans la rue. Afalpi shelo gavta, même lorsqu'elle n'a pas eu le temps de se faire rembourser son salaire. Comme je vous dis tout à l'heure, j'ai introduit le cours avec ça parce que justement, elle a travaillé en déant qui se lève. Et elle était sous ma tutelle. Après, en Tevet, elle devient maintenant, elle vole de ses propres ailes. Elle n'est plus maintenant dans ma propriété. C'est plus ma fille. Enfin, c'est ma fille. C'est plus ma fille dans le sens. Elle n'est plus sous ma tutelle. Eh bien, dans ce cas-là, malgré tout, Metav, si le père meurt ensuite, Aréen Shalachin, ça appartiendra au frère. C'est-à-dire, l'idée, elle est très simple. Les choses qu'on doit à ma fille lorsqu'elle est sous ma tutelle, je deviens, moi, le bénéficiaire de ça. Et même si après, elle quitte le cocon de ma maison, elle va se marier, elle va faire ce que vous voulez, et bien dans ce cas-là, l'argent qu'on lui devait quand elle était sous ma tutelle, ça reste ma propriété. Ça, même Rabbi Shimon, il est d'accord. Rabbi Shimon, il a juste discuté par rapport à l'histoire du knas, que l'amende. L'amende, la Torah l'insistait, Venatan, la vie anara, qu'il faudra payer au père de la fille, et tu payes au père de la fille que quand concrètement ça lui arrive dans les mains. Alors il devient bénéficiaire, mais sinon, il ne devient plus bénéficiaire, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Bessalah.